réveil, merci d'être avec nous. C'est le morning, vous êtes sur i24 News et voici les titres à la une de l'actualité. Tremblement de terre dans l'affaire Kerviel, l'ex-trader exige la révision de son procès après que la commandante de police chargée de l'enquête a avoué que la Société Générale ne pouvait pas ne pas être au courant. Un mois après un naufrage dramatique, l'Union européenne donne son feu vert à une opération navale en Méditerranée, une opération militaire européenne sans précédent déployée au large de la Libye pour en venir à bout des trafiquants. On l'appelle Purple Drink, c'est la nouvelle drogue des ados, un cocktail à base de sirop pour la toux et de soda. Il rend accro, provoque des hallucinations et une certaine euphorie. Au menu également ce matin, toutes les nouvelles du Festival de Cannes et notre coup de projecteur aujourd'hui sur un film palestinien présenté lors de la semaine de la critique. Tout se déroule le temps d'une après-midi, un huis clos, 13 femmes dans un salon de coiffure de la bande de Gaza. Bienvenue à tous. L'affaire Kerviel va-t-elle rebondir? C'est le site d'information Mediapart qui fait cette révélation. La commandante de police chargée de l'enquête avoue que la Société Générale était au courant des positions prises par son ex-trader. Son avocat a annoncé qu'il avait initié une requête en révision du procès dès la semaine dernière. Myriam Amal. La Société Générale ne pouvait ignorer les agissements de son trader. C'est ce qu'affirme Nathalie Leroy, la commandante de police chargée du dossier, sur le site d'information Mediapart. Jérôme Kerviel, qui avait été condamné en première instance puis en appel pour la perte de 5 milliards d'euros par la banque en 2008, n'aurait donc pas agi à l'insu de sa hiérarchie. Selon Mediapart, l'enquêtrice en a eu d'abord le sentiment, puis la certitude, après avoir parcouru plusieurs documents et auditionné plusieurs témoins. Elle a notamment évoqué le témoignage d'un ancien salarié de la banque. Employé à la section risque opérationnel, ce travailleur a assuré à l'enquêtrice que l'activité de Jérôme Kerviel était connue. Il aurait également affirmé avoir alerté en avril 2007 Claire Dumas, adjointe au directeur des risques opérationnels, et d'autres par le biais d'un message électronique. Ce témoignage met à mal la version de la banque qui affirmait ne pas être au courant des agissements de son trader. Toujours selon Mediapart, le juge d'instruction a auditionné l'enquêtrice en avril dernier. Une audition qui pourrait faire rebondir toute l'affaire. Jérôme Kerviel a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, puis par la cour d'appel qui a confirmé la peine à 5 ans d'emprisonnement, dont 3 fermes pour abus de confiance, manipulation informatique, faux et usage de faux. Mi-mars 2014, la cour de cassation a rendu cette condamnation pénale définitive, mais a cassé le volet civil de la décision, qui attribuait 4,9 milliards d'euros de dommages et intérêts à la Société Générale. Un nouveau procès civil doit se tenir en janvier 2016 afin d'établir la répartition des responsabilités dans cette perte. Et bonjour à Olivia Dufour, vous êtes journaliste et juriste, auteur de Kerviel, enquête sur un séisme financier. Merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que ces révélations marquent la fin de l'affaire Kerviel ? À mon avis, pas du tout, parce que il faut se rendre compte qu'il y a énormément de barouches médiatiques. C'est une énorme opération de communication de la part de la défense. Et quand vous lisez l'article qui nous dit qu'on fait exploser le dossier Kerviel, que ça va devenir l'affaire Société Générale, ce qui est un élément rhétorique assez ancien de la défense Kerviel dans ce dossier, lorsque donc vous vous plongez dans l'article pour, avec des lunettes de juriste, pour voir s'il y a des éléments concrets qui vont effectivement faire exploser le dossier, vous vous apercevez qu'il n'y a rien. C'est habituel dans cette affaire, c'est-à-dire que c'est une tentative médiatique de faire croire qu'il y a un témoin surprise, c'est un des grands leitmotifs du dossier depuis plusieurs années, qui révèle tout. En réalité, nous avons comme d'habitude quelqu'un de tout à fait respectable qui a un sentiment, parce que c'est un dossier très technique, que peut-être quelque chose lui a échappé. Mais nous n'avons ensuite derrière, ce qu'elle évoque, c'est des conversations avec des gens anonymes qui ont été croisés dans des couloirs, et c'est à peu près tout. Elle pointe pourtant encore, cette commandante de police, les dysfonctionnements de son enquête. Elle avoue avoir été instrumentalisée par la Société Générale qui lui aurait directement adressé la liste de personnes à auditionner. Elle joue gros quand même dans cette affaire. Pourquoi, à votre avis, parle-t-elle maintenant ? Parce qu'elle a été interrogée par le juge d'instruction Le Loir qui a ouvert une information
sur la base d'une plainte de réconstitution de partie civile de Jérôme Kerviel, c'est-à-dire une plainte qui force la justice à enquêter. Cette même plainte avait déjà été déposée il y a 2 ans et tout simplement classée parce qu'elle n'avait pas l'air sérieuse. Mais là, il faut enquêter, on lui pose des questions. Et ça ne me surprend pas énormément que dans un dossier aussi compliqué, un policier dise voilà, j'avais pas beaucoup de moyens pour travailler. J'ai eu le sentiment que Société Générale équipait mes recherches. Pour finir, si tout de même la responsabilité de la banque dans les agissements de son trader est prouvée, que risque la Société Générale ? Écoutez, l'ouverture d'une nouvelle instruction. Ouais. Est-ce qu'il y aurait une nouvelle enquête pour Là, il a déposé la semaine dernière une demande de révision. C'est là qu'on voit le plan de communication, parce que demande de révision la semaine dernière, puis. Cette bombe, cette qualifiée de bombe dans Mediapart, aujourd'hui une interview à l'Express, voilà, laissons le juge d'instruction faire son travail. On a extrait une pièce dans un dossier qui doit en contenir beaucoup d'autres pour dire c'est une bombe. Je crois qu'il faut être un peu plus calme dans ce dossier. Merci en tout cas de l'avoir dit ce matin, Olivia Dufour. Rudy, en tout cas, on parle de communication, d'opération de communication. C'est le cas depuis le début de cette affaire. Les réactions depuis cette bombe ont été vives, notamment à gauche. Oui, surtout à gauche de la gauche. Par exemple, Julien Bayoul, c'est le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Pour lui, ces révélations sont un énorme boom. Il dit l'affaire dite Kerviel devient effectivement une affaire Société Générale, un scandale. Et puis Julien Bayou s'est d'ailleurs exprimé très tôt hier dans plusieurs médias à ce sujet. On a fait une véritable opération de comme autre figure d'Europe Écologie Les Verts. Eva Joly, que vous voyez, qui demande une révision du procès, donc parle d'un procès Société Générale désormais. Alors quant à Jean-Luc Mélenchon, aussi à gauche, du front de gauche, il tire la couverture vers lui, un petit peu comme son habitude, et nous renvoie un article publié dans son blog en 2013 où là aussi il affirmait que la Société Générale savait. Sur cette affaire, on attend effectivement encore les réactions de l'UMP et du PS. C'est la gauche de la gauche qui prend la part médiatique dans cette affaire. Alors pourquoi Kerviel, un trader, symbole du capitalisme effréné, est devenu l'icône de la gauche, de l'extrême gauche? Alors il y a plusieurs aspects dans ce personnage Kerviel. Il y a l'europenti et la victime. Alors l'europenti, car il a clairement tourné le dos au monde de la finance et à ses dérives, et la rédemption a été matérialisée par une rencontre avec le pape François en 2014, suivie d'une marche que vous voyez, Rome Paris contre, je cite, la tyrannie des marchés, selon les mots même du Saint-Père. Et du côté du front de gauche, Jean-Luc Mélenchon, lui, parle d'une véritable affaire Dreyfus de la finance, affaire dans laquelle Kerviel est devenu, malgré lui, la victime du nouvel ennemi de la gauche, c'est-à-dire les banques et la finance devenue folle. L'ancien trader avait même été l'invité d'honneur de la fête de l'UMA, c'était en septembre 2014. Et écoutez ce que Jean-Luc Mélenchon disait à l'époque pour l'introniser quelque part dans la famille gauche. Ceci n'est pas un trader. Ceci est un homme humilié, blessé parce qu'il vient, vous savez quoi, ils se sont amusés avec lui. Parce que ce sont les belles personnes qui sentent bon. Et ils se sont dit, celui-là, il vient de la Bretagne. Et alors on s'en fiche de lui, parce qu'il n'est pas de nos milieux. Il vient de chez les pauvres. Jérôme Kerviel, il est à sa place ici parce que ça s'appelle la fête de l'humanité. Pas la fête des gens de gauche, la fête de tous les êtres humains. Voilà ce que c'est ici. C'est-à-dire, Rudy, c'est une affaire qui a fait réagir au-delà des militants de gauche. Oui, parce qu'à partir d'une affaire Kerviel, on arrive à une affaire Société Générale désormais. Et même dans le monde des économistes de l'économie ont réagi. Regardez ce tweet de l'économiste Marc Fiorentino. Pour lui, c'est le moment d'avouer l'évidence. Une personne seule ne peut pas dissimuler une perte de 5 milliards d'euros dans une banque. Merci. Oh, il dit autre chose à présent. C'était une rumeur et c'est désormais officiel. Le dessinateur Luz a confirmé son départ de Charlie Hebdo au mois de septembre. Dans une interview à Libération, le rescapé de la tuerie de Charlie a justifié cette décision par une nécessité de se reconstruire. Chaque bouclage est une torture parce que les autres ne sont plus là, explique-t-il, en expliquant d'ailleurs qu'il n'est plus inspiré par l'actualité. Suite et fin du drame de Clichy-sous-Bois, la justice a annoncé hier la relaxe définitive pour les deux policiers poursuivis pour non-assistance à personne en danger après la mort des deux jeunes dans cette banlieue de Paris. Vous vous en souvenez, ce drame fut à l'origine en 2005 d'une vague d'émeutes urbaines dans le pays.
Le tribunal correctionnel de Rennes a tranché 10 ans après les faits. Relax définitive, aucune charge n'est retenue contre les agents de police, au grand dam des familles des victimes qui évoquent une police intouchable. Bah, je suis dégoûté, je suis tout ce que vous voulez. Les policiers sont intouchables, c'est pas que dans cette affaire, ils ne sont jamais condamnés. L'affaire remonte au 27 octobre 2005, date à laquelle deux adolescents, Ziad Benna et Bouna Traoré, meurent électrocutés dans ce transformateur EDF de Clichy-sous-Bois. Avec un troisième ami qui, lui, a été blessé, ils étaient poursuivis par plusieurs policiers. Une poursuite qui les a conduits dans cet endroit dangereux. La conversation téléphonique passée alors par les agents de police à leur standard était la pièce maîtresse de ce dossier. On y entend un policier déclarer « S'ils rentrent sur le site EDF, je ne donne pas cher de leur peau ». Une phrase qui vaudra aux policiers et à la standardiste l'accusation de non-assistance à personne en danger, dont tous deux ont été relaxés ce lundi. Lorsque le Premier ministre évoque un apartheid social, parlant effectivement des banlieues, je ne voudrais pas effectivement que s'installe un apartheid judiciaire au sein de cet apartheid social. En tout cas, soyons sûrs que nous le combattrons avec, je veux dire, toute notre foi républicaine. La mort des deux garçons avait entraîné 3 semaines d'émeutes dans plusieurs banlieues partout en France. Voilà, il y a noté que quelques centaines de personnes se sont rassemblées hier soir après la décision de justice à Bobigny pour dénoncer la relaxe des policiers. Ce rassemblement de militants des quartiers a été dispersé par la police. 2 heures plus tard, il n'y a eu ni blessés ni interpellations de manifestants. Personnalités politiques et intellectuelles ont multiplié, vous le savez, les prises de position ces derniers jours sur la réforme du collège. Et ce mardi, c'est au tour des enseignants opposés à la réforme de faire entendre leur voix avec un appel à la grève et une manifestation prévue cet après-midi à Paris. Betsabé, qu'est-ce qui déplaît tant aux opposants de cette réforme ? On peut dire que cette réforme suscite un torrent de critiques, les points qui fâchent. Alors, de toutes les mesures qui ont été annoncé, eh bien, c'est la suppression du latin et du grec comme option, qui est sans doute celle qui a suscité le plus de réactions. La popularité de l'option latin était déjà en baisse. Et oui, ces langues anciennes ont été jugées trop minoritaires, trop élitistes par le ministère de l'Éducation nationale, qui a décidé de les intégrer à un cours « Langues et cultures de l'Antiquité ». Qu'on peut, Barbara, si vraiment on tient à sa langue ancienne, complétée par une option d'enseignement supplémentaire. Comprenez, l'enseignement des langues anciennes, c'est vraiment marginalisé. Autre point chaud de la réforme, décidément, on n'a pas l'air très très fan de langue. Hein, rue de Grenelle, les classes bilangues de la 6e disparaissent carrément. Elles seraient, elles aussi, trop élitiste. Arrive en revanche quelque chose de nouveau, les EPI, enseignement pratique interdisciplinaire, des cours dont la dimension serait particulièrement pédagogique, où les étudiants devraient pouvoir intervenir librement, entendez, questionner librement. Alors vous avez comme cours langues et cultures de l'Antiquité, donc développement durable, corps, santé et sécurité, ou encore culture et création artistique. Le problème, eh bien, ça risque forcément d'empiéter sur des cours plus magistraux. De quoi alimenter la polémique toujours en 2016, eh bien, la refonte des programmes qui ne fait pas partie de cette réforme et qui a été initiée par Vincent Peillon entrera en vigueur avec des thèmes optionnels d'un côté et d'autres qui deviennent obligatoires, et ça dépend du choix des enseignants eux-mêmes. Ainsi, on se retrouve avec les cours sur les débuts de l'islam qui restent un thème obligatoire en 5e, tandis que ceux qui sont par exemple sur les empires byzantins, carolingiens ou encore sur les Lumières deviennent eux facultatifs, une équation qui ne plaît pas à tout le monde. Alors justement, qu'en pensent les Français? Eh bien, selon un sondage, 60% d'entre eux qualifient de justifié ces manifestations prévues ce mardi à Paris. Selon un sondage Odoxa publié par Le Parisien, c'est lundi, pour sûr, l'ampleur de la mobilisation, en tout cas aujourd'hui, sera un indicateur important pour le gouvernement français. On va poser la question, merci Betsabé, à Frédéric Rollet, co-secrétaire général et porte-parole du syndicat national des enseignants du second degré. Vous appelez donc à la grève aujourd'hui. Combien d'enseignants espérez-vous dans les rues cet après-midi? Nous espérons avoir 2 enseignants sur 3 au moins, notamment dans les collèges. Dans les lycées, évidemment, c'est plus difficile parce qu'on approche des examens du baccalauréat. Mais il y a manifestement une très forte mobilisation des professeurs en collège. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus dans cette réforme?
Ce qui nous préoccupe le plus, c'est les inégalités, les différences qu'il risque d'y avoir entre les élèves et entre les établissements, et du fait des autonomies qui sera donnée aux chefs d'établissement pour changer les horaires de certaines disciplines, pour choisir si on fait de l'aide, si on fait des doublements. Et puis le fait qu'on a une interdisciplinarité qui est prise sur les horaires des disciplines, donc des disciplines qui sont affaiblies. Oui. Et puis ensuite, il y a les disciplines comme l'allemand ou le latin qui risquent petit à petit disparaître de certains collèges. Mmh. Frédéric Relais, merci d'avoir été avec nous ce matin. On s'excuse pour la mauvaise qualité de la ligne. Et puis un mois après un naufrage dramatique, l'Union européenne donne son feu vert à une opération navale en Méditerranée. Une opération militaire européenne sans précédent qui sera déployée au large de la Libye. Objectif, venir à bout des trafiquants, ces trafiquants passeurs qui exploitent, vous le savez, la détresse de ces milliers de migrants prêts à tout et souvent au prix fort pour rejoindre l'Europe. Après l'émotion, place à l'action. Un mois après le naufrage d'un bateau de migrants qui a fait 800 morts, l'Union européenne s'attaque au réseau de passeurs en Méditerranée. Il devrait être démantelé grâce à une opération maritime sans précédent. Au programme, le déploiement de bâtiments de guerre, mais également le survol d'avions européens au-dessus des côtes libyennes, l'un des carrefours maritimes où le trafic de migrants est particulièrement meurtrier. L'Europe entend mettre fin à ces tragédies en mer, mais également mieux contrôler le flux des migrants. Pour le secrétaire général de l'OTAN, il existe un autre danger. L'un des problèmes est qu'il peut y avoir des combattants étrangers, qu'il peut y avoir des terroristes qui se cachent, qui se mêlent aux migrants. Cela souligne l'importance de la réponse à cette crise. Pour freiner ce trafic d'êtres humains, la mission consistera à traquer les bateaux utilisés par les passeurs armés et tracter jusqu'en haute mer les embarcations de fortune chargées de centaines de migrants. Manuel Valls a réaffirmé son soutien à une opération de ce type. Et en même temps, il nous faut une politique qui réponde au drame effrayant qui se passe en Méditerranée, politique européenne, politique soutenue, et j'espère que nous obtiendrons cette résolution, soutenue par les Nations Unies pour lutter contre ces trafiquants des temps modernes qui exploitent la misère humaine, et une politique tournée vers l'Afrique. Bernard Cazeneuve était au Niger et au Cameroun il y a 48 heures, parce que c'est là où on doit traiter, résoudre les problématiques de cette immigration. L'Union européenne, accusée de passivité et d'indifférence, est sous pression, alors que les drames de l'immigration se succèdent en Méditerranée. Allez, autre problème, Betsabé, dans ces embarcations de fortune, il n'y aurait pas que des clandestins, mais également des terroristes djihadistes dissimulés par Daesh. Oui, exactement. Un conseiller du gouvernement libyen s'est confié à la BBC, regardez, affirmant que des djihadistes se font passer pour des migrants clandestins pour, on l'aura compris, s'infiltrer en Europe. Et ces propos sont d'autant plus pertinents, et bien qu'ils font écho à l'avertissement de Frontex, hein, l'agence européenne pour la sécurité et les frontières extérieures de l'Union européenne, qui admettait déjà en mars dernier que cette pratique était possible. Des propos d'autant plus pertinents que Daesh est présent en Libye. On le rappelle, je vous rappelle d'ailleurs que c'est sur les plages libyennes qu'en février, ces hommes cagoulés de l'État islamique ont caméra en marche. Ce sont des extraits de cette vidéo qu'on voit sur vos écrans. Décapités 21 Égyptiens coptes. Or, et bien sur les images de l'exécution, dans la vidéo originale, le message de Daesh est clair. L'un des djihadistes masqué couteau à la main lance, je cite, « Aujourd'hui, nous sommes au sud de Rome, sur la terre musulmane de la Libye ». Une menace pour le moins explicite envers l'Italie, où d'ailleurs le chef de la diplomatie, Paolo Gentiloni, la juge d'ailleurs considérable. Alors, cette hypothèse est-elle plausible, hein? Ces faux migrants servent-ils de cellules dormantes en Europe ou alors sont-ils une pure invention? On peut se demander quand même, est-ce que ce n'est pas plus simple pour Daesh d'envoyer en Europe des djihadistes qui seraient déjà munis de passeports européens, puisqu'il y en a, ou d'utiliser même les militants qui sont déjà sur place en Europe, ou si Daesh ne préfère pas, même au contraire, que les musulmans qui sont en Europe quittent le territoire européen pour rejoindre le califat de l'État islamique. En tout cas, l'hypothèse existe. Voilà, une menace qui fait peut-être partie de la guerre psychologique également lancée par Daesh. Merci Betsabé. Et toujours au sujet de l'État islamique, sachez qu'il continue sa progression en Irak. L'organisation a pris le contrôle de la ville de Ramadi aux portes de Bagdad, un revers infligé aux forces irakiennes et qui pose une question.
Pourquoi l'État islamique continue-t-il de progresser malgré les bombardements de la coalition ? Élément de réponse en images. Ramadi est tombé et la déconvenue est cruelle pour l'armée irakienne. L'assaut de l'État islamique sur l'immense province d'Al-Anbar a débuté il y a un mois et demi. Avec la prise de Ramadi, les djihadistes contrôlent la presque totalité de la région, une sorte de revanche après avoir été délogés de Tikrit début avril. Dans l'après-midi de dimanche, les forces de sécurité comme les milices sunnites ralliées à Bagdad ont évacué le centre de commandement de la région. Les hommes en noir de l'État islamique faisaient le siège depuis plusieurs jours. Le gouverneur de la province reconnaît la défaite. Ramadi est tombé. La ville a été prise dans sa totalité. Les militaires sont en fuite. Au moins 500 personnes, civiles et militaires, seraient mortes dans les combats des deux derniers jours. Malgré la défaite, le premier ministre irakien a ordonné à ses troupes de tenir leur position. Appui aérien, renforts, notamment de milices chiites, sont attendus autour de Ramadi. La situation critique pousse donc les Irakiens à laisser les chiites se mêler au conflit dans une région exclusivement sunnite. Le ministre iranien de la Défense est à Bagdad ce lundi pour rencontrer son homologue irakien. Le risque de nouvelles violences confessionnelles est donc pris par un gouvernement acculé comme jamais. L'État islamique contrôle désormais trois capitales provinciales à travers la Syrie et l'Irak, quand il n'en contrôlait que deux lorsque les États-Unis intervenaient militairement en août 2014. Les observateurs parlent d'une situation qui empire chaque jour, mais Washington ne s'inquiète pas. L'administration Obama n'a pas explicitement entériné la perte de Ramadi. Et John Kerry va jusqu'à qualifier la ville de simple cible d'opportunité, arguant que la situation se renversera dans les prochains jours, comme dans la ville de Palmyre. Car la prise de Ramadi coïncide avec l'offensive des hommes en noir sur l'antique cité syrienne. Les hommes de Daesh avaient pris le contrôle d'une partie de la ville, créant l'inquiétude du monde quant aux milliers de ruines antiques qu'elle abrite. Mais l'offensive a été coupée court par les forces loyales au président Bachar el-Assad, même si Palmyre a été ce lundi la cible de nombreux tirs de roquettes, ayant tué de nombreux civils, dont des enfants. La retraite en désordre de l'armée irakienne à Ramadi reste néanmoins sa plus cinglante défaite depuis l'effondrement de Mossoul. Une défaite malgré l'envoi par l'Amérique de 3000 soldats et conseillers militaires. Une défaite qualifiée de majeure par les experts militaires face à la machine de guerre djihadiste. Emmanuel Navon, professeur de relations internationales, bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce que la chute de Ramadi démontre les limites de la stratégie américaine en Irak ? De la stratégie américaine, mais également de la stratégie ou du manque de stratégie du gouvernement irakien. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, aussi bien les Américains que les forces officielles irakiennes attendent que l'autre partie fasse le travail. On entend beaucoup les officiels et les officiers irakiens dire que les États-Unis devraient faire plus. Et à cela, le gouvernement américain répond « On ne peut pas vouloir défendre votre pays plus que vous ne voulez vous-même ». Il y a un manque de motivation également du côté de l'armée régulière irakienne. Les frappes aériennes ne peuvent pas faire tout le travail. Au bout du compte, Ramadi, c'est sur le terrain et c'est les forces sur le terrain qui auraient dû l'arrêter. Mmh. Il y a un véritable manque de motivation, il faut bien le reconnaître, et d'armement du côté des forces régulières irakiennes. Mmh. En revanche, bonne nouvelle, un peu plus loin, en Syrie, les forces loyales syriennes, elles, ont réussi à repousser les djihadistes hors de Palmyre, cette cité antique, là, c'est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Est-ce que la guerre en Syrie est différente de celle en Irak que vous décrivez justement à cause des forces en présence? Alors, ce qui diffère, c'est d'abord le rôle de l'Iran. Votre reportage en a parlé. Le ministre iranien de la Défense s'est rendu à Bagdad. Et aujourd'hui, il y a une espèce de triangle, si vous voulez, en Irak, dans lequel les forces officielles irakiennes ne veulent pas vraiment que les milices chiites iraniennes prennent le dessus. Mais d'un autre côté, il n'y a qu'elles qui sont capables véritablement de se battre. Et là encore, l'hésitation effectivement de nombreuses forces irakiennes, c'est faut-il donner aux chiites, faut-il donner aux forces, aux milices chiites iraniennes, ouais, le dessus, même au compte des forces régulières, des forces régulières irakiennes. Voilà, et puis on note aussi que ce week-end, pour la première fois, les Américains ont lancé au sol une opération commando contre Daesh. Est-ce qu'on voit là un changement finalement de la politique étrangère de Barack Obama, qui avait annoncé No Boots on the Ground et qui avait fait finalement du déploiement des troupes américaines du retrait en Irak un des points forts de sa politique étrangère? Je ne pense pas qu'on verra un changement de politique. Je ne vois pas aujourd'hui un président Obama, la dernière année de son mandat, envoyer des troupes américaines avant des élections, un an avant des élections à la présidence, sur le terrain. C'était et encore ponctuel. Une fois, je pense que c'était ponctuel parce que encore une fois, les Américains le disent eux-mêmes. On ne peut pas vouloir défendre ce pays plus que les Irakiens eux-mêmes. Maintenant, le problème en Irak, il faut bien comprendre, c'est que la plupart des forces ne s'identifient pas à l'Irak en tant que pays, qui est un pays finalement potentiel, qui est un pays virtuel. Il y a des identifications ethniques et religieuses, les chiites, les sunnites, les kurdes. Et par conséquent, je reviens à cela, il y a un manque de motivation, il n'y a pas
une identification avec un pays qui n'existe plus, et ce vide est rempli encore une fois par Daesh, mais également par les Iraniens qui prennent le dessus. Restez avec nous, Emmanuel Navon. On parle à présent de ce nouveau rassemblement de la communauté éthiopienne israélienne hier soir à Tel Aviv, deux semaines après les violences qui ont éclaté dans la ville entre policiers et manifestants. Eh bien, la manifestation s'est déroulée dans un calme relatif, précision avec Edmé Citroën. Ils étaient un millier hier dans les rues de Tel Aviv. Des Israéliens d'origine éthiopienne et des militants ont défilé pour dénoncer le racisme et les discriminations dont ils sont victimes. Les policiers ont signalé quelques légers débordements, mais aucun blessé n'est à déplorer et il n'y a pas eu d'interpellation. Un rassemblement qui succède aux manifestations d'il y a 15 jours, qui avaient donné lieu à de violents affrontements à Jérusalem et à Tel Aviv. Plus d'une soixantaine de policiers et de manifestants avaient été blessés. Parmi les revendications des manifestants, la justice sociale et l'arrestation des policiers racistes. Nous sommes là pour résister à la violence quotidienne de la part de la police israélienne contre les enfants à la peau foncée et contre les hommes noirs. Rien ne change, le gouvernement ne nous a donné aucune réponse, rien, aucun résultat. Ils veulent nous réduire au silence, mais ils n'y arriveront pas. Le gouvernement devrait discuter aujourd'hui de la formation d'une commission ministérielle chargée de favoriser l'intégration des Israéliens d'origine éthiopienne. Elle devrait être présidée par Benjamin Netanyahou. Alors Emmanuel, effectivement, le gouvernement vient d'annoncer la mise en place de cette commission mixte, d'ailleurs, pour répondre aux exigences de la communauté éthiopienne. Est-ce que ça va être suffisant ? Il faut l'espérer. En tout cas, il y a déjà un changement, il faut le reconnaître, au sein de la Knesset, puisqu'il y a aujourd'hui, depuis les dernières élections, un représentant de la communauté éthiopienne à la Knesset, dans le parti du Likoud, le parti du Premier ministre. Donc je pense qu'il fera, il s'est engagé vraiment à faire beaucoup dans ce sens. Et je crois que avoir du pouvoir politique, avoir une présence à la Knesset, est quelque chose qui peut beaucoup aider pour ce combat contre les inégalités et les discriminations. Il dénonce un certain racisme, la communauté éthiopienne, ancré dans la société israélienne. Un racisme dont a été victime finalement tous ces nouveaux immigrés, vague après vague, tout au long de la création de l'État d'Israël. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que la société israélienne est raciste ? Écoutez, on ne peut pas accuser toute une société, faire des généralisations. La société israélienne, c'est 8 millions de personnes. Mais ce qui est clair, c'est que toutes les vagues d'immigration, les nouveaux immigrants sont toujours mis à mal par les vagues précédentes. C'est vrai en Israël, mais c'est vrai dans tous les pays au monde. On a parlé également sur ce plateau des violences aux États-Unis qui existent là-bas également entre les forces de police et la population afro-américaine. Mais je pense que ce phénomène existe dans tous les pays d'immigration. Et Israël est un pays d'immigration où les derniers venus sont toujours mis à mal. Mais là, effectivement, il y a une deuxième et troisième génération qui affirme toujours souffrir de discrimination. Et là, il s'agit d'un problème qu'il faut effectivement traiter. Merci Emmanuel d'avoir été avec nous ce matin. À suivre, on l'appelle Purple Drunk. C'est la nouvelle drogue des ados. Un cocktail à base de sirop pour la toux et de soda. Il rend accro, provoque des hallucinations et parfois même une certaine euphorie. Le point après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Eleanor Veil. Ce sera dans deux petites minutes. Ne bougez pas. Sur le plateau du Morning, l'antisémitisme aujourd'hui a changé de nature en Europe. Il est devenu souvent le fait d'un islamisme radical qui se développe sur les racines du conflit israélo-palestinien. Pour lutter contre ces préjugés et éviter le repli sur soi, eh bien, cette initiative à Sarcelles, une équipe de foot israélienne judéo-arabe a joué dimanche face aux jeunes du quartier. Joseph Emmanuel. Ils ont tous à peu près le même âge, sont passionnés de foot, mais ne vivent pas dans le même pays. En jaune, des jeunes de toutes origines des quartiers de Sarcelles. En rouge, des juifs et des arabes, tous citoyens israéliens. Ils disputent un match de football, tout près de l'endroit où avaient lieu l'an dernier de violentes manifestations anti-israéliennes au relent antisémite. Une équipe mixte israélienne contre une équipe française pour combattre les préjugés. On règle des conflits et on crée du vivre ensemble, aussi en faisant du travail de dentelle, en faisant en sorte de multiplier les actions qui créent du vivre ensemble. C'est mieux, comment dire, les petites actions de fraternité sont mieux que les grands discours de la haine. Des petites actions comme aujourd'hui pour combattre un antisémitisme de plus en plus répandu dans le monde arabo-musulman. Un antisémitisme parfois institutionnalisé, maisons d'édition, journaux, radios ou chaînes de télévision. Certains s'affairent à la diffusion de messages antisémites destinés aux plus jeunes.
Je vais tuer les juifs. Tu veux vraiment tous les tuer ? Oui, tous. Quand d'autres diffusent ces idées de manière explicite, à des heures de grande écoute, comme ce prédicateur égyptien qui ne prend plus la peine de cacher sa haine. Oui, je suis antisémite. Oui, je hais le sionisme. Oui, le jour du jugement ne viendra pas tant qu'on ne combattra pas les juifs. Ce sont les mots de notre prophète, que ça plaise ou non. Des idées souvent relayées par des pays comme l'Iran ou la Syrie, leur propagande antisémite est devenue une composante essentielle de leur politique externe. Une propagande appuyée par la frustration de leur population ou par la négation de la Shoah vue comme une invention juive pour contrôler le monde. C'est justement pour combattre ce négationnisme profondément ancré que la maison de l'UNESCO lance en 2009 le projet Aladdin. Objectif, sensibiliser le monde musulman à l'histoire de la Shoah, notamment par la traduction de livres de référence. Des combats pour la vérité auxquels se livrent également des intellectuels arabes. L'écrivain irakien Rachid Al-Kayoun fait partie de ceux qui n'ont pas peur d'aller à contre-courant d'une pensée dominante. Face caméra, il rappelle les conditions dans lesquelles les juifs d'Irak ont fui. Les nationalistes arabes ont incité la foule à attaquer les juifs pendant 2 jours. Certains regrettent encore les juifs d'Irak et sont affligés par le départ des chrétiens et des sabéens. Mais ce n'est pas la faute de la population, mais celle des gangs comme Al-Qaïda et les autres milices, dont le programme est d'expulser les non-musulmans. Sur la scène régionale comme internationale, la propagande antisémite est utilisée par de nombreux pays arabes comme levier pour diaboliser Israël. Une propagande où les liens sont nombreux avec les radicaux de gauche à travers le monde. Objectif, attiser les esprits contre Israël, lui attribuer toutes sortes de complots pour le présenter comme un pays d'apartheid. Mais pendant que certains crient à l'apartheid, d'autres jouent ensemble et montrent au monde que la coexistence est réelle. Allez, un mot de cinéma ce matin avec ce coup de projecteur sur un film palestinien. Il a été présenté lors de la semaine de la critique à Cannes. Cyril, tout se déroule le temps d'une après-midi dans un salon de coiffure de Gaza. Ouais, accueil très chaleureux, Barbara, ce dimanche sur la Croisette pour cette double première. Hein, première coproduction franco-palestinienne d'abord, coproduction officielle donc entre la France et la Palestine. Et premier long métrage des frères Tarzan et Arab Nasser. Oui, je vous vois tilter, Rudy. Tarzan, c'est un pseudonyme du réalisateur palestinien. Alors, vous faites le pitch, vous voulez que je vous fasse le pitch? Allez-y. Alors on est en 2007, une famille mafieuse vole le lion du zoo de la bande de Gaza. Le Hamas, qui vient d'accéder au pouvoir, vous le savez, en 2007, veut lui faire son compte. L'opération Libérer le lion est lancée, sauf que voilà, pendant l'affrontement armé Betsabé, eh bien 13 femmes palestiniennes vont se retrouver coincées dans le petit salon de coiffure de Christine. C'est la patronne donc ukrainienne de ce salon de coiffure. Alors le film présente une galerie de femmes gazaouis très diversifiées, divorcées, mal aimée, mal mariée, amoureuse, droguée dans ce théâtre à la fois intime et universel que, vous savez, peut présenter le salon de coiffure pour dames. Vous êtes bien placé pour le savoir. Vous voulez regarder un extrait? Vous voulez regarder un extrait? Allez. Allez, on y va. Achevé. Choubia, Malo. Vous êtes où, après avec la haine? Quoi, Majnoun? Moumkin, oulili, choubissir. Щоб ти стані. Прийняли хали їжі я хотасот мінхон. Таал шіл асадак мінхан. تعال شيله انت مخلول فكري انت الثانيه بدي اخلص Cette histoire de lion volé, c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire, absolument. Pourquoi l'avoir volé, ce lion? Alors, c'est une famille mafieuse, hein, comme je l'ai dit, qui a voulu voler le lion et se promener tout simplement avec le lion en laisse pour pouvoir démontrer sa force. Démontrer sa force, la force de la famille et surtout prouver son insoumission au nouveau pouvoir en place, le pouvoir des islamistes à Gaza. Alors, vous avez reconnu dans l'extrait Iyam Abbas, hein, que les spectateurs francophones ont vu, notamment dans La Source des femmes de Riyad Mialenou. Mialenou, j'ai bien prononcé son nom, je crois. Je suis pas roumain. Bon, voilà. Donc, vous l'avez vu, c'est un huis clos, donc il veut évidemment
vraiment être une métaphore de l'enfermement des Gazaouis dans l'enclave palestinienne. Alors, entre la musique trop forte, les tirs de roquettes, les gémissements de la femme enceinte qui est sur le point d'accoucher, les sanglots de celle qui ne reverra plus son mari, deux hystériques qui viennent en main, bref, le film tourne très rapidement à la cacophonie et les réalisateurs, donc Tarzan et Aaron Nasser, ont voulu prouver à quel point la vie dans la bande de Gaza pouvait parfois être absurde, à tel point qu'on peut même se promener dans les rues de la bande de Gaza avec un lion en laisse. Un lion en laisse. Qui sont ces frères Nasser? Alors les frères jumeaux, Tarzan et Aaron Nasser, sont originaires de Gaza. Ils ont à peine 30 ans. Et ils sont nés en 88, un an à peine après la fermeture des salles de cinéma dans la bande de Gaza. Alors ils étudient les beaux-arts à l'université d'El-Aqsa et ils se passionnent pour le cinéma. En 2010, ils vont recevoir, vous allez voir, un prix pour ce travail d'art conceptuel qu'ils ont baptisé Gaza Wood. C'est une réalisation d'affiches cinématographiques pseudo-hollywoodienne, et vous l'avez reconnu, qui s'inspire des noms des véritables offensives militaires israéliennes contre la bande de Gaza. Autumn Clouds, un nuage d'été, ou encore l'opération Rempart en 2002 en Cisjordanie, ou encore, il y en a une autre, voilà, Kaslid, c'est l'opération Plan Durci dans la bande de Gaza. Deux jeunes cinéastes qui ont tourné donc dans la banlieue d'Aman, le film qui se déroule à Gaza, mais pour des raisons évidemment de sécurité, et disons que les islamistes du Hamas ne sont pas particulièrement cinéphiles, ils ont dû tourner dans les rues de la capitale jordanienne. C'est un film qui a coûté 700 000 euros et qui est produit par un producteur francophile du nom de Rachid Abdelhamid. Merci Cyril, voilà pour ce film palestinien présenté à Cannes. Le tweet est tombé dans la nuit et a fait beaucoup de bruit, en quelques heures à peine, puisqu'il s'agit du premier tweet d'un nouveau compte, le compte personnel du président des États-Unis en personne, Rudy. Oui, et ce compte s'appelle POCUS, alors comprenez President of the United States. En moins d'une heure, le... C'est pas très joli, POCUS. Oui, voilà, mais en tout cas, c'est le résumé, mais en tout cas, c'est le nom de ce compte, qui a déjà plus d'un million d'abonnés en quelques heures, c'est tombé dans la nuit, et c'est avec humour que le président américain a inauguré son nouveau compte. Regardez le tweet. Bonjour Twitter, c'est Barack. Après 6 ans, il me donne enfin mon propre compte. Alors il s'agit là donc du compte personnel du président américain et non pas de Barack Obama lui-même, puisqu'il l'avait déjà. Et ce qui veut dire que POCUS, donc ce compte, sera légué à son successeur en janvier 2017. C'est ça. Alors POCUS, justement, c'est un choix de l'équipe de com de la Maison-Blanche en référence au compte de la première dame. Qui s'appelle FLOTUS. Comme First Lady, absolument, comme First Lady of the United States. Alors Michelle Obama, qui elle aussi a accueilli le compte POCUS en tweetant ceci, It's about time, il était temps. Autre réaction à cette ouverture de compte très calculée, très médiatisée par la Maison Blanche, celle de Bill Clinton, qui lui a demandé si le compte était attaché à la fonction. Car en effet, si Hillary Clinton accède à la Maison Blanche fin 2016, eh bien FLOTUS serait le compte de Bill Clinton. Qui deviendrait première dame, ou en tout cas premier monsieur. C'est ça, on ne va plus l'appeler première dame. Mais peut-être qu'il va avoir ce compte-là, puisque effectivement les comptes sont faits pour être légués d'une présidence à une autre. Plus sérieusement, on dit à Washington que ce compte sert à être un espace, enfin se veut un espace de dialogue et de débat avec la présidence. Voilà pour ce compte que vous suivrez pour nous attentivement. Hein. POCUS. POCUS. On l'appelle Purple Drink, je vous le disais, c'est la nouvelle drogue des ados. C'est un cocktail à base de sirop contre la toux et de soda, parfois d'alcool. Betsabé, c'est pas très bon pour la santé. Non, alors Purple, c'est violet comme la couleur du breuvage, une boisson qui a commencé à s'installer en France en 2013 en fait, mais qui nous vient des États-Unis. Des rappeurs, ce sont les ados américains qui ont inventé cette recette. Alors les ingrédients qu'on peut y trouver, Barbara, de ce petit cocktail qui n'est pas très bon pour la santé. Alors, vous avez de l'alcool et ou de la limonade, de la codéine, donc, qui se trouve dans les sirops antitussifs, des antihistaminiques pour limiter les effets secondaires de la codéine. Et oui, la codéine, ça donne des démangeaisons et des nausées, c'est pas très agréable quand on vient de boire. Et puis même, optionnel, pour ceux qui sont plus téméraires, et bien du cannabis, voilà, pour agrémenter ce cocktail. Résultat, et bien un cocktail qui agit exactement comme une drogue, et oui, effet désinhibant et surtout effet addictif.
on le rappelle, la codéine, on en trouve dans tous ces sirops contre la toux et c'est en vente libre. Exactement. Pour la plupart d'entre eux, de nombreux médicaments contenant de la codéine sont en vente libre et c'est bien là le problème, sans compter qu'il y a aussi ceux qui contiennent du dextrométhorphane, qui est encore plus facile de trouver. Alors, conscients de ce nouveau danger, hein, les pharmaciens sont de plus en plus inquiets, de plus en plus vigilants, et ce d'autant plus que les effets de ce cocktail ne sont pas anodins. Somnolence, convulsions, confusion et vomissements, et plusieurs cas d'intoxication ont même été signalés l'année dernière. Voilà, ça peut être extrêmement dangereux et c'est un phénomène qui inquiète, d'autant que les beuveries express, hein, ce qu'on appelle les beuveries éclairs, ont de plus en plus de succès parmi les jeunes. Exactement, ces beuveries express ou encore le binge drinking, ouais, hein, originalement, qui consiste donc à boire non seulement beaucoup, mais à boire vite, hein, 5 à 8 verres à l'occasion d'une seule soirée, et qui inquiète l'OCDE, hein, l'Observatoire, l'Organisation de coopération et de développement économique, qui a alerté d'ailleurs la semaine dernière, hein, qui a publié un rapport, les niveaux de consommation dangereuse et de suralcoolisation épisodique, entendez donc binge drinking, chez les jeunes, notamment les femmes, hein, ont augmenté dans de nombreux pays de l'OCDE. Donc attention, et attention aux jeunes surtout. Merci Betsabé, on en parle avec vous. Nicolas Bonnet, vous êtes docteur en pharmacie, directeur du RESPAD, Réseau des préventions des addictions. Merci d'être avec nous. À quel point ce cocktail est-il dangereux? Bonjour. Écoutez, en fait, ce cocktail, c'est un produit culturel aujourd'hui issu du mouvement nord-américain, de la musique rap nord-américaine, qui a une expérimentation qui a commencé en France en 2013 et qui, bien qu'on en parle beaucoup, quand même, est relativement limitée en termes de diffusion, bien qu'il y ait des cas d'intoxication, certes, etc. Mais on a très souvent tendance à un peu grossir le trait pour des produits qui, malgré tout, restent dans une diffusion assez limitée. Est-ce qu'il est dangereux? Les cas d'intoxication qu'on a pour l'instant noté et relevé, notamment à travers les centres d'information sur les pharmacodépendances, ce sont des cas d'intoxication rapportés où des gens qui ont été ramenés ou amenés aux urgences par leur entourage, qui finalement se trouvaient un peu désemparés face à l'état de somnolence avancée de leurs camarades. Mmh. Mais il n'y a pas eu pour l'instant, et tant mieux d'ailleurs, d'intoxication massive ayant amené à des mises en jeu pour le style vital. Est-ce qu'il y a des risques d'addiction à ces sirops contre la toux? Alors, la codéine, qui est un produit opiacé, peut amener à une pharmacodépendance aux opiacés après un usage régulier et important. Donc, il faut plusieurs mois, comme tout type de drogue, de plus en moins de consommation avant qu'on puisse avoir une pharmacodépendance. Pour l'instant, il y a quelques rares cas documentés ou plutôt décrits. Donc, on est vraiment sur des cas cliniques qui ont été décrits de personnes qui, suite à des consommations d'abord importantes et massives d'alcool, ont transféré leur dépendance sur la codéine à travers notamment ces mélanges dont on vient de parler, ouais, et qui du coup sont restés dans des consommations importantes de codéine, ouais, et ayant nécessité après la mise en place notamment de traitements de substitution aux opiacés comme la buprenorphine, ouais, au dosage. Est-ce qu'on pourrait imaginer l'interdiction de la vente libre de la codéine? Alors, l'interdiction, c'est une recette qui a été mise en place depuis maintenant de très nombreuses années pour toutes les drogues. C'est ce qu'on appelle la prohibition. On s'aperçoit juste aujourd'hui que la prohibition, elle a pas du tout amené les effets escomptés. C'est-à-dire qu'on a plutôt eu, au cours des 20 dernières années ou 30 dernières années, une très forte augmentation des consommations de drogues, quelles que soient les drogues, à travers le monde. Et qu'aujourd'hui, de très nombreux États, pays, hommes politiques, hommes de santé, etc., se positionnent plutôt pour une remise en question totale de la politique des drogues dans le monde, avec la dépénalisation de l'usage, ce qui voudrait dire que l'interdiction de la codéine, il serait contraire à cette dynamique qui est portée et supportée par nos acteurs aujourd'hui. Nicolas Bonnet, merci d'avoir été avec nous ce matin. Allez, on se quitte pour un nouveau point complet sur l'actu. Juste après, on parlera de cet anniversaire. Il y a 50 ans, l'espion israélien Eli Cohen était pendu à Damas. Une affaire d'espionnage digne du cinéma qui a marqué les esprits en Israël. On revient en détail sur cette histoire juste après un nouveau journal qui vous est donc présenté ce matin par Eleanor Veil. Merci d'être
d'être avec nous sur le plateau du Morning. Il y a 50 ans exactement, se terminait tragiquement l'une des plus incroyables affaires d'espionnage. L'espion israélien Eli Cohen était pendu publiquement en plein Damas après avoir infiltré les plus hautes sphères du régime syrien. Le récit de Joseph Emmanuel. Il est considéré comme l'un des plus grands espions des temps modernes. Eli Cohen naît en Égypte en 1924 et reçoit une éducation juive orthodoxe. Son aptitude pour les langues étrangères et sa mémoire exceptionnelle lui seront d'une grande aide dans ses futures activités de renseignement. Dès 1944, il s'implique dans des actions clandestines visant à aider les juifs égyptiens à rejoindre la Palestine mandataire. Ça n'est qu'à l'âge de 33 ans qu'il émigre en Israël à la suite de l'expulsion des juifs d'Égypte. Il est employé de bureau dans un cabinet d'assurance durant quelques années, se marie, puis il est repéré et engagé par l'un des services secrets les plus connus au monde. Il a été choisi par le Mossad. À l'époque, le Mossad était l'agence de renseignement la plus efficace au monde. Il ne bénéficie alors d'aucun statut protecteur comme celui de diplomate et opère à l'étranger sous une fausse identité. C'est en 1961 qu'Eli Cohen rejoint l'Argentine pour y devenir Kamel Amin Tabat, un marchand arabe syrien spécialisé en meubles de Damas. Sa parfaite maîtrise de l'arabe lui permet de se fondre dans la communauté syrienne d'Argentine. Il lie connaissance avec des gens haut placés, comme le général Amin Alafez, un attaché militaire à Buenos Aires. L'espion se rend à Damas un an plus tard et gagne la confiance de nombreux officiels du gouvernement. À partir de ce moment, il transmet régulièrement des informations aux Israéliens par radio ou lors de ses voyages en Europe. L'espion joue la carte du parti Baas et devient ainsi un proche du futur homme fort de Syrie, Hafez al-Assad, le père de l'actuel dictateur syrien. Quand Assad devient Premier ministre, l'espion est pressenti pour un poste d'adjoint au ministère syrien de la Défense. Il est désormais dans le secret des dieux. Il est le seul et unique civil à avoir visité les installations militaires syriennes. Il a même été photographié sur les hauteurs du plateau du Golan avec des officiels syriens avec en arrière-fond Israël. L'espion cartographie les positions des bunkers et des unités de tir et suggère aux généraux syriens de planter des eucalyptus pour cacher ses positions militaires. Une suggestion qui, selon Israël, participera grandement à la victoire de la guerre des six jours. L'espion au rendement exceptionnel sera finalement découvert par des spécialistes égyptiens du contre-espionnage alors qu'il était en train d'émettre un message chiffré en morse depuis un poste émetteur miniature. Eli Cohen est condamné à la peine maximale et malgré les interventions de nombreux chefs d'État pour obtenir la clémence, il sera pendu en place publique à Damas en mai 1965. Les autorités syriennes ont toujours refusé de renvoyer le corps à sa famille. Eli Cohen est considéré en Israël comme un véritable héros. Plusieurs rues et jardins portent son nom. Et je vous propose à présent d'écouter le témoignage de la fille d'Eli Cohen. Sophie Bender explique le choix de vie de son père, transformé, on vient de le dire, en héros national. Elle était au micro de Jean-Charles Banoun hier soir. Je pense que mon père s'est consacré depuis le début de son âge adulte à 18 ans à la sécurité de l'État d'Israël pour être au service de l'État. Cela lui semblait une suite naturelle de cela. Il voulait donner le meilleur de lui-même. Il pensait qu'il pouvait donner le meilleur et il ne s'est jamais contenté de moins que cela. Ça lui semblait tout naturel. Je ne pense pas qu'il pensait à la fin et qui se passerait comme ça. Il penserait qu'il terminerait sa mission et il pourrait rentrer auprès de sa famille, la famille qu'il avait construite. Il n'imaginait pas que ce serait comme ça à la fin, sa fin. Alors, il faut rappeler qu'il a été démasqué grâce à des moyens très perfectionnés qui ont permis de, eh bien de repérer qu'il envoyait des messages à Israël. Est-ce que votre mère, est-ce qu'elle vous a dit qu'elle l'avait senti inquiet lors des dernières visites qu'il a pu faire en Israël avant d'être démasqué ? La dernière histoire, la dernière visite, on raconte que ceux qui le connaissaient, la famille proche, il était brisé. Il ne voulait pas retourner là-bas, mais il n'en a pas parlé. Ils ont vu qu'Eli n'était pas comme d'habitude, que c'était un autre Eli qui était sous tension, sous pression. Ça ne lui ressemblait pas. C'était quelqu'un de très doux, de très détendu, de très calme. Et c'est
C'est de cela qu'on parle dans la famille constamment. Le Mossad a nié cela jusqu'aujourd'hui. Ils ont dit que papa était en pleine forme et qu'il a parfaitement travaillé pendant toute cette période. Aujourd'hui, j'ai entendu le chef du Mossad raconter une nouvelle version, sans détail, mais en disant qu'apparemment, ça a été une erreur que de l'envoyer la dernière fois qu'on l'a envoyé en Syrie. Je sais que je ne saurais pas la vérité. Je connais des miettes de vérité et je ne sais pas si ces miettes-là sont vérité ou contre-vérité ou vérité corrigée ou manipulation sur la vérité. Je ne saurais de toute façon qu'une partie sur papa. Et on se plonge à présent dans les grands titres des journaux arabes et israéliens ce matin. Cyril, les journaux reviennent sur cette affaire, Eli Cohen. Oui, les journaux israéliens essentiellement, évidemment. Donc ça faisait 50 ans, jour pour jour hier, que l'espion israélien a été pendu à Damas. Triste anniversaire commémoré hier, donc en grande pompe, à la résidence du président Rivlin à Jérusalem, en présence de la famille de l'espion, du Premier ministre Netanyahou, mais également des représentants d'hier et d'aujourd'hui de la communauté du renseignement israélien, dont l'actuel chef du Mossad, Tamir Pardo. Eli Cohen, notre homme à Damas, quand même à l'appeler les Israéliens, elle n'est plus parmi nous, écrit le Yediot Aharonot, mais il est entré dans la légende d'Israël, dans la légende de l'espionnage, dans la légende des services secrets du monde entier. Celui qui avait atteint les hautes sphères du pouvoir bassiste en Syrie reste à jamais associé à la grande victoire éclair d'Israël dans la guerre des six jours. Rappelez-vous, c'était évidemment en 1967. Alors, c'est une cérémonie, Barbara, qui a réconcilié un peu Nadia Cohen, hein, la veuve de l'espion, avec les autorités israéliennes. Pourquoi ? Eh bien parce que, comme on l'a entendu dans la fille, hein, Sophie Baddor, s'exprimer au micro de Jean-Charles Banneau, eh bien la famille avait exprimé de sérieuses réserves sur la façon dont les services de renseignement israéliens avaient géré l'épuisement de l'espion d'Eli Cohen, ouais, qui était épuisé d'endosser cette nouvelle identité de Kamel Tabat en Syrie. Le chef du Mossad, qui a lui-même reconnu hier durant la cérémonie, eh bien que le retour d'Eli Cohen en Syrie en 64 avait été, je cite, une erreur, un an seulement avant son arrestation. Pardo, qui a d'ailleurs rappelé que le mystère était toujours entier sur les conditions, hein, qui ont conduit à l'arrestation d'Eli Cohen. Le Premier ministre Netanyahou a quant à lui promis de tout faire pour tenter de récupérer la dépouille de celui que l'on considère comme l'une des plus grandes figures de l'espionnage israélien. Allez, on parle politique israélienne également dans les journaux ce matin. C'est désormais officiel. Benjamin Netanyahou a nommé son ministre de l'Intérieur en charge des négociations avec les Palestiniens. Alors, négocier avec l'autorité palestinienne et mener un dialogue stratégique avec les États-Unis, voilà deux domaines, Barbara, dans lesquels Netanyahou n'a pas vraiment excellé ces dernières années. Netanyahou, qui est aussi ministre des Affaires étrangères dans son propre gouvernement, chercherait-il à refiler la patate chaude à son vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur? Vous l'avez dit, c'est bien possible. Toujours est-il que Sylvain Shalom n'est peut-être pas le mieux qualifié pour mener des pourparlers avec les Palestiniens. En tout cas, c'est ce qu'estime ce matin, de manière cynique, hein, le Haaretz, hypermnésique, qui rappelle à ses lecteurs les déclarations de Sylvain Shalom sur la création d'un État palestinien. Un Sylvain Shalom qui est clairement opposé à la création d'un État palestinien. Alors voilà, c'est mis en exergue. En 2011, il estime que la reconnaissance de l'État palestinien ne passera jamais au Likoud. Quelques années plus tard, il avait déclaré que la Cisjordanie était le gilet pare-balles qui protège Israël. En 30 ans de carrière, Shalom, dont le patronyme hébraïque signifie « paix » en français, ne s'est jamais prononcé publiquement en faveur de la création d'un État palestinien. Voilà pour le Haaretz. Et on termine cette revue, Cyril, par l'Irak. Au lendemain de la chute de Ramadi, une contre-offensive serait en préparation. Oui, après le revers subi avec la perte de Ramadi, tombé aux mains des djihadistes de l'État islamique, l'armée irakienne va lancer une contre-offensive, une contre-attaque. Et pour ce faire, selon le journal Al-Quds Al-Arabi, le journal pan-arabe, elle ferait appel à des combattants de milices chiites. Pas étonnant, donc, dans ce contexte, d'apprendre dans le même journal que le ministre iranien de la Défense, était hier en visite à Bagdad pour rencontrer son homologue irakien. Il devrait rencontrer également le chef des forces armées américaines sur place. Américains et Iraniens qui combattent côte à côte en Irak, vous avez dit surréaliste. Merci Cyril. C'est une première en Israël. L'ensemble des services concernés de près ou de loin par la sécurité du pays se sont réunis hier dans une même pièce pour parler coordination. Il s'agit de lutter plus efficacement contre les menaces intérieures et extérieures. Reportage sur place de Mathias Inbar. Services de police, officiers de l'armée israélienne et agents des services de sécurité intérieure
réunis autour d'un seul thème. Comment assurer ensemble la sécurité d'un État ? Le premier congrès du genre en Israël. Je dois vous dire que c'était plus excitant d'avoir été le chef de la police de Tel Aviv ou chef des commandos de la police que député. Plus sérieusement, je suis fier aujourd'hui de réunir pour la première fois tous les acteurs de la vie sécuritaire pour un seul et même objectif. Au-delà des mots, il y a des faits. Et à l'instar de ce qui peut se passer en France entre les unités de police et les renseignements intérieurs, il existe en Israël une rétention d'informations entre les services. Israël n'a pas de conception sécuritaire nationale. Il faut imposer un régulateur, non pas en temps de crise, mais au niveau du quotidien. Résultat, chacun fait ce qu'il veut. Chaque service prend une décision en fonction de ce qui lui semble bon et non de ce que le pays a réellement besoin. Même si des mesures ont été prises pour que les services de sécurité opèrent ensemble, après l'enlèvement et le meurtre des trois adolescents israéliens en juin dernier, un agent du Shabak doit siéger en permanence dans les centres de crise de la police. La police a besoin de tous les services qui peuvent aider, non pas via le téléphone, mais à ses côtés. C'est donc ce qui se passe aujourd'hui. On retrouve dans un même centre de crise des policiers, des agents du renseignement intérieur et des militaires. On ne peut plus se permettre de perdre une information en temps réel. Alors qu'il s'agisse de menaces physiques ou cybernétiques, la même question se pose, qui est responsable ? Ce qui, face à la globalisation du terrorisme, du Hezbollah à l'État islamique, pose un problème de fond. Au-delà des menaces air, mer, terre que nous font peser des organisations terroristes comme le Hamas et le Hezbollah, nous sommes confrontés à l'État islamique et ses éléments étrangers qui participent au djihad et qui rentrent chez eux surentraînés. C'était le cas pour Charlie Hebdo, à Bruxelles et au Danemark. Cela pourrait l'être également avec un éventuel retour des Arabes israéliens de Syrie et d'Irak. D'où l'intérêt de coopérer pour toutes ces forces de sécurité. Mathias, pourquoi cette initiative maintenant ? Pourquoi maintenant, tout simplement ? Alors, je l'ai à peine dit dans ce reportage, notamment à propos des problèmes, des leçons qui ont été tirées à propos de l'enlèvement des trois adolescents. Cela posait un problème concret, à savoir qu'il y avait d'un côté la police israélienne qui était en train d'enquêter sur place, l'armée qui était dans une autre région, et puis les services de sécurité intérieure, le Shin Bet, le Shabak, qui étaient au téléphone. Alors, et donc, on rappelle les faits, trois jeunes adolescents enlevés il y a en juin dernier, près d'un an, le 12 juin dernier, exactement. Dans la région de Hébron, alors qu'ils attendaient l'autobus, et il a fallu plus de 10 jours pour les retrouver. Exact, plus de 2 semaines, pour les retrouver. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, la police et l'armée opéraient dans deux régions différentes, et surtout le Shabak était au téléphone et n'était pas sur place. Et lorsque Oded Raz dit qu'il faut une conception sécuritaire, il y a une conception de défense aujourd'hui. Quand on dit défense, on dit gouvernementale. C'est-à-dire qu'il y a un premier ministre, il y a un ministre de la défense, il y a des ministres qui gèrent en même temps une cellule de crise. Ce qu'ils demandent et ce que les acteurs de la vie sécuritaire demandent en Israël, c'est qu'il y ait une conception sécuritaire au quotidien, que ce ne soit pas une gestion de crise, mais bien une gestion au quotidien, ce qui faciliterait aussi notre vie, la vie des citoyens israéliens et des touristes en Israël. Pour le moment, cette coordination ne fonctionne pas sur le terrain ? Ce qui est intéressant de voir dans ce reportage, à un moment, il y a un panel où il y a l'ancien chef de la police, Shlomo Aharonitsky, il y a Oded Raz, l'ancien chef des opérations du Shabak, et les deux ne se supportent pas. Et ils l'ont dit, d'ailleurs, en direct, c'est une question d'ego. Alors oui, ça marche de temps en temps, mais pas tout le temps, parce qu'il y a des égos trop forts, surdimensionnés. Et lorsqu'on parle d'ego, forcément au Moyen-Orient, ça ne passe pas. Voilà, cette guerre des chefs, ça a lieu dans tous les pays. Est-ce qu'au-delà des menaces sécuritaires, est-ce que les dossiers criminels sont également pris en compte dans cette coordination ? Oui. Oui, concrètement, on l'a appris d'ailleurs hier et ça continue aujourd'hui. Coup de filet magistral dans le milieu mafieux en Israël. Et lorsqu'on parle de milieu mafieux en Israël, on parle, Barbara, d'organisation mafieuse terroriste. C'est ça le terme employé par la police. Et aujourd'hui, le Shabak aussi opère au sein même des cellules mafieuses, parce que ces cellules mafieuses sont en relation aussi directe avec d'autres organisations mafieuses à l'étranger. Et la police, le Shabak et l'armée, les gardes frontières opèrent en même temps pour justement gérer ces crises de criminels, ces opérations, voilà, ces organisations criminelles. C'est d'autant plus d'actualité, on va terminer là-dessus. En ce moment, un large coup de filet de la police israélienne contre ces organisations mafieuses dans le pays. 50
personnes arrêtées au même moment. On parle bien d'une opération à la Don Corleone. Ouais. On n'est pas dans un film d'Hollywood, on est vraiment en Israël. Cela remonte à des faits qui datent depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, notamment Rosenstein, qui était le chef invétéré des ventes d'ecstasy, de pilules ecstasy, ouais, en Israël et aux États-Unis, notamment également de la famille Alperon, qui a fait de la prison aux États-Unis. On est bien dans un vaste coup de filet anti-mafieux en Israël, d'où l'exemple de coopérer et de travailler ensemble. Merci beaucoup, Mathias. À suivre, Selfie, BHL ou encore Zénifiant. Pour ses 160 ans, le Petit Larousse vient d'intégrer 56 personnalités, mais également 150 nouveaux mots. On peut y ajouter tuto ou bolo. Ce sera juste après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Eleanor Veil. Allez, merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. Il est temps d'ouvrir notre page Canoise Édition. On va faire le point dans un instant. Mais avant cela, on s'arrête ce matin sur un film présenté en compétition officielle. Ça s'appelle Le fils de Saul, l'exercice de Laszlo Zemes, raconté la Shoah par le prisme des odeurs commandos, ces juifs obligés de tuer les leurs, le récit de Sandy Fortis. Première montée des marches pour Laszlo Zemes, ce réalisateur hongrois de 38 ans est en lice pour la Palme d'Or avec son film Le fils de Saul, un long métrage qui nous plonge dans l'horreur d'un camp de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, mais sous un angle différent. Notre objectif était de faire un film sur un homme dans un camp, et plus particulièrement pour cadre, on avait les Ondars Commando, c'est-à-dire ce groupe de prisonniers spéciaux, isolés du reste du camp et chargés d'effacer les traces de l'extermination. Des prisonniers au cas particulier, certains les qualifiant de collabos, ce que défend l'acteur principal du film. Les Sonderkommando n'étaient pas mi-bourreau, mi-victime. Les Sonderkommando étaient victimes à 100%. Les Sonderkommando ne versaient pas de sang. Ils n'ont été mêlés à aucun meurtre. Dans tous les cas, les Sonderkommando étaient choisis à l'arrivée sous peine de mort. Ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le contrôle de leur destin. Ils étaient autant victimes que les autres prisonniers d'Auschwitz. Pour Laszlo Zemes, il était important de représenter l'enfer des camps d'extermination d'une façon différente. Jusqu'ici, selon lui, le sujet a été traité d'une manière frustrante. Le cinéma de l'après-guerre qui parle de la Shoah est souvent, très très souvent, un cinéma de la survie. C'est des histoires de survie et c'est des histoires qui veulent raconter beaucoup de choses. On ne voulait pas raconter beaucoup de choses, on voulait raconter quelque chose de très étroit. Oppressant, le film est rythmé par les déplacements de Saul. On y découvre l'intérieur de l'enfer dans les moindres détails à travers ses yeux, ses oreilles. Un parti pris du réalisateur qui a choisi de laisser presque toujours l'horreur floue ou hors champ. Il est au milieu de l'usine de mort, il ne regarde plus cette usine. Il ne regarde plus les déportés, il ne regarde plus les cadavres. Donc on ne regarde pas ce qu'il ne regarde pas. Un premier film tourné sur une pellicule de 35 mm pour offrir aux spectateurs une expérience plus en immersion et plus émotionnelle. Pari gagné, Le fils de Saul est le premier favori dans la course à la Palme d'Or. Voilà, pour ce film en compétition, Laetitia, vous nous donnez toutes les autres nouvelles du Festival de Cannes. Oui, pour Le fils de Saul, il faut aussi préciser que c'est un premier film et que c'est très rare à Cannes, dans la sélection officielle, de retrouver un premier film. Donc c'est pour aussi montrer la force et la maturité du réalisateur de Le fils de Saul. Les autres nouvelles de Cannes, aujourd'hui, on est un petit peu au-dessus de la moitié du nombre de films en compétition officielle qui a été projeté. Il y en a 19 en tout, il y en a déjà 10 qui ont été projetés. Certains sortent leur épingle du jeu, mais difficile de faire des pronostics alors que nous attendons encore au tournant Jacques Audiard et son 7e long métrage d'Ipan, Paolo Sorrentino avec sa Giovenezza, Macbeth avec Marion Cotillard ou encore Sicario de Denis Villeneuve. Ça sera ce soir, mais les premières rumeurs du prix d'interprétation masculine qui ont couru sur le sable de la fameuse croisette hier, c'était après La Loi du Marché, la projection de La Loi du Marché, qui est un film, le deuxième film français projeté à Cannes, le film de Stéphane Brisé, avec
Vincent Lindon, et c'est bien ce même Vincent Lindon dont on pense qu'il pourrait obtenir le prix d'interprétation masculine. À l'unanimité, en tout cas, la critique honore sa prestation, et pourquoi pas écouter ce qu'il en a à dire, Vincent Lindon. Je pense que pour ma santé mentale, je préfère tirer un trait, passer à autre chose. En deux mots, l'histoire du film ? C'est un film, en fait, c'est un film social où Vincent Lindon incarne un chômeur qui, en fait, est chômeur depuis un certain nombre d'années. Il va y avoir un bon nombre de péripéties. On sent le thème social bien présent dans ce festival du film de Cannes. Le festival s'est ouvert avec un film, avec la tête haute d'Emmanuel Berco. Alors, Laetitia, hier était projeté aussi un film dont beaucoup se sont demandé pourquoi il n'était pas en compétition officielle. Alors, on l'a décrit, ce film, comme l'un des voyages artistiques et émotionnels le plus abouti de la sélection. Vous allez être surprise, puisque c'est un film d'animation qui s'appelle Vice Versa. C'est des studios Pixar, donc les studios d'animation de Disney. Les studios Pixar ont déjà redonné vie à nos jouets avec Toy Story, transformé un rat mignon en grand chef de restaurant avec Ratatouille. Vous aimez les rats mignons. Ils sortaient les monstres du placard avec Monstres et compagnie, et ils exploitaient les fonds marins avec brio grâce au petit Nemo. Mais après quelques années avec des films sans plus, et bien voilà que Vice Versa chamboule tout à nouveau. On est dans un voyage au cœur de nos émotions à travers des petits personnages tout aussi drôles, charmants et émouvants les uns que les autres. Alors c'est le génial réalisateur Pete Docter qui est derrière tout ça, et il fait finalement renouer les studios Pixar avec l'excellence. Nous, on va faire le plein de bonne humeur avec ces images. What's up everybody, it's showtime. Grab Sheldon. Ready? Ready. You got a problem, buddy? Do you? Where is my super suit? Spit that out right now! You mean you don't like me? So long, partner. And that's fear. Ah, look out! Come on, group hug! You too, anger! Don't touch me. Voilà, métaphore de nos émotions. Exactement. Alors là, on a entendu les voix américaines, mais en France, c'est Gilles Lelouch, entre autres, Mélanie Laurent, Charlotte Lebon et Pierre Niney qui incarnent ces petits personnages tout mignons. Et c'est le film qui a attiré d'ailleurs hier le plus de monde sur la croisette. Le casting du film était évidemment présent sur le tapis rouge. Donc on retrouve Mélanie Laurent et Gilles Lelouch. Ça, c'est l'actrice Amy Poehler qui, elle, incarne le personnage principal dans la version américaine. Et puis, on a aussi retrouvé un bon nombre de personnes qui ne faisaient pas partie du film et qui étaient ravies de venir assister à la projection du film, dont on regrette qu'il n'est pas présent dans la sélection officielle. C'est pas très cannois comme film. Non. Eh bien, on retrouve quand même Le Petit Prince en sélection officielle, qui est un film d'animation aussi. C'est pas rare de retrouver des films d'animation en sélection officielle. Et effectivement, c'est quand on sait, enfin, moi j'ai pas encore vu Vice Versa, mais quand on connaît la qualité qu'a eu certains des films de Pixar, on pourrait s'attendre, pourquoi pas, à aller voir en sélection officielle. Pourquoi pas remporter une palme d'or, un C4. Vous avez, pourquoi pas. Vous avez d'autres tapis rouges à nous montrer avant de finir ? Eh bien, on peut regarder en images les dernières images de Cannes que nous avons reçues. Ça, en fait, c'était le tapis rouge justement pour la projection de Vice Versa, puisque effectivement, tout à l'heure, on parlait de La Loi du Marché ou encore Louder Than Bomb. C'est deux films qui n'ont pas attiré grand monde sur le tapis rouge. Ouais. Et là, c'était vraiment l'événement à ne pas manquer. Il fallait y être à cette projection de Vice Versa hier. On a retrouvé Alison Paradis, la sœur de Vanessa Paradis,
qui a montré son joli ventre rond. C'était la mode à Cannes, ouais, de montrer son ventre rond. Ça, ce n'est pas une réincarnation de Dalida et un étrange caractère sorti de Dragon Ball Z, mais c'est bien Paris Hilton et son designer. D'accord. Voilà, Samuel Lebihan et sa femme. Ouais. Un bon nombre de personnes qu'on n'avait d'ailleurs pas vues depuis pas mal de temps sur le tapis rouge. Merci Laetitia pour ces nouvelles de Cannes. On se retrouve évidemment demain. Oui. Allez, une tendance à présent, elle plaît à ceux avides de sensations fortes. On les appelle les jetmen, des hommes propulsés par des ailes motorisées qui se déplacent en altitude. Ça donne des images assez spectaculaires. Regardez, c'est signé Maëlle Benoliel. Des images à couper le souffle. Après le mont Fuji en solitaire et le Wisconsin accompagné d'un avion bombardier, l'homme volant, ivre aussi, a survolé à l'aide de son aile motorisée, Palm Jumeirah, une île artificielle en forme de palmier au large de Dubaï. Speed up to 300 km per hour. Actuellement, nous avons atteint la vitesse de 300 km/h, soit 105 nœuds. Notre chef était Rob. Nous sommes comme une équipe d'acrobates aériens, comme celle des Émirats Arabes Unis, ou la Patrouille de France, ou la Red Arrows. Et pour la première fois, l'aviateur et inventeur suisse surnommé Jetman a volé en tandem avec Vince Reffay. Un célèbre base jumper français plutôt habitué d'ordinaire à sauter depuis les plus grands gratte-ciel du monde entier avec son parachute. Il aura fallu près de 5 ans d'entraînement et autant de préparation avant de pouvoir accompagner Jetman. On se sent bien dans les airs. Pour moi, c'est une sorte de rêve qui se réalise. Je ne suis pas un pilote, je n'avais jamais piloté avant, mais je peux voler à la manière d'un avion ou d'un oiseau. Avec cette équipe, c'est vraiment magnifique. Les deux hommes oiseaux se sont élancés dans le vide depuis un hélicoptère. Pendant une dizaine de minutes, ils ont fendu l'air, effectuant diverses acrobaties, se permettant de prendre la pose à la manière de Superman avant d'ouvrir leur parachute et de se poser tranquillement au sol. Et les deux hommes volants ne comptent pas s'arrêter là. Explorer davantage les possibilités pour atteindre l'objectif final. Nous aurons toujours besoin d'un avion pour aller dans les airs et d'un parachute pour atterrir. Mais notre rêve, c'est d'être des hommes de fer comme Iron Man. Il semblerait bien que rien ne pourra empêcher ces super-héros des temps modernes de continuer à défier les lois de la nature. Selfie, ça vous a donné les images. C'est vrai, ça vole très haut, moi j'ai le vertige. Alors, selfie, BHL ou encore zénifiant pour ses 160 ans. Le petit Larousse vient d'intégrer 56 personnalités et 150 nouveaux mots. Rudy, vous êtes venu ce matin nous les présenter. Pas les 150, hein. En tout cas c'est une tradition, hein. Chaque mois de mai, les deux grandes maisons d'édition, Larousse et Robert, sortent leur nouvelle édition de ce qui reste finalement la référence absolue en matière de langue française, donc 150 nouveaux mots inspirés de l'air du temps qui vont s'ajouter aux 62 800 autres mots et définitions qui sont déjà présentes. Alors c'est intéressant de regarder ces mots parce qu'ils nous disent beaucoup sur la manière dont notre société évolue. Alors plusieurs grandes tendances dans la version dite 2016, hein, qui vient de sortir, déjà l'écologie et le développement durable. Alors le développement responsable, le mot responsable qui prend d'ailleurs un nouveau sens, on lui ajoute justement l'aspect écologique, on retrouve aussi vegan, particules fines ou encore circulation alternée, des thèmes qu'on a développés tout au long de l'année. Signe que la question écologique et le mieux vivre est au centre des préoccupations, le fait d'aimer les tomates cœur de bœuf aussi, c'est un nouveau mot qui arrive au dictionnaire. On en mange beaucoup. Alors autre catégorie, le langage jeune, c'est Internet. Alors Internet s'intègre un petit à petit au dictionnaire depuis quelques années, le langage de jeunes qui arrive dans le vocabulaire français. Alors par exemple chez les jeunes, si vous ne faites pas de selfie, nouveau mot, vous êtes un bolos. Comprenez, une personne naïve ou peu courageuse, complètement ridicule, voire stupide, c'est la définition officielle. Alors d'ailleurs, je vais voir si vous êtes un petit peu dans l'air du temps, une fois n'est pas coutume, je vous ai préparé un petit quiz avec ces fameux nouveaux mots. Alors on va commencer très simplement avec le mot selfie. Alors est-ce un autoportrait photographique généralement réalisé avec un téléphone intelligent et destiné à être publié sur les réseaux sociaux ou l'activité favorite de Laetitia Loreni? Les deux. Non, je fais pas de selfie. D'accord. On va passer au mot
Tuto, histoire drôle dont on rate la chute, ou guide d'apprentissage sur support papier sur internet constitué d'instructions visuelles. C'est ça, le deuxième. C'est un tuto, absolument. Et troisième, électrosensibilité. Vous avez le choix entre ensemble des troubles physiques dus, selon la description, à une sensibilité excessive aux ondes et aux champs électromagnétiques ambiants, ou le fait d'être sensible au charme des électriciens. Okay. Oh, la deuxième. Mais oui, voilà, on est tous sensibles au charme des électriciens. Alors, à cette liste de mots, Jones, j'ai complètement perturbé. Je pense à l'électricien. Oui. On ajoute. Votre mari regarde. Oui, d'accord. 56 personnalités qui font leur entrée dans la Larousse aussi. Bah, ils sont aussi un signe du temps. Le dictionnaire accueille ces petits nouveaux. Donc, après 30 ans de mèches parfaites, impeccables, de chemises blanches bien repassées, de philosophie surtout, BHL fait son entrée dans le dico. Il est accompagné de. Oui, absolument. Il est accompagné de personnalités chères au cœur des Français comme Pierre Richard, Linda Lemay, Pierre Hermé, ça c'est plutôt aux estomacs des Français, ouais. Qui rase le dessinateur, ou Renaud Lavillenie, le champion de saut à la perche. On termine par un autre concours de mots. Les internautes ont jusqu'à ce soir pour se prononcer. Absolument. Alors, c'est une élection qui existe depuis une dizaine d'années dans le cadre du Festival des mots, car il existe à La Charté-sur-Loire. Alors, ce festival va se dérouler du 27 au 31 mai prochain. Et alors, chaque année, on y choisit le mot qui a le mieux, en tout cas, représenté l'année. Alors, cette année, l'année écoulée pour 2015. Vous pouvez choisir entre liberté d'expression, Daesh, intégrisme, caricature, binôme, lâcheté, abstention, frondeur, réchauffement, zadiste ou crispation. Et en fait, si on se tourne vers les années précédentes, eh bien, ça donne un vrai sens de l'air du temps. En 2012, par exemple, c'était Twitter. C'est l'année d'avènement de Twitter. En 2011, c'était autre chose, c'était dégage. Et en 2008, c'était bling bling. Et en 2007, c'était bravitude. Et malheureusement, en 2005, déjà, c'était précarité. Voilà, toujours lié à l'actualité. Merdi ne dégageait jamais. Merci Laetitia, merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous dis à demain, tout de suite un nouveau point sur l'actu. Portez-vous bien.